Ensemble, nous allons construire la grande force politique du XXIe siècle, horizontale, numérique, moderne, qui portera les valeurs qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, celles du travail, celles du mérite, celles de la volonté de réussir, celles du respect de la propriété, celles de la République dans laquelle nous croyons. Un Conseil national pour déterminer ce qu'est un projet politique pour la mise en œuvre de toutes les conventions qui vont suivre tout au long de l'année pour déterminer ce projet politique. De reconstruire le mouvement, de le fonder, d'avoir de nouvelles idées et d'être un parti politique conquérant. Dynamique extrêmement forte d'un mouvement qui est désormais en marche, rassemblé autour de son président Nicolas Sarkozy, d'une grande diversité de personnalités qui viennent de différents courants de pensée de notre formation politique. Nicolas Sarkozy, de toute évidence, souhaite la libre expression de chacun. Un objectif, préparer les nouveaux statuts pour que le mouvement reparte sur de nouvelles bases. Maintenant, on est tous unis derrière Nicolas Sarkozy avec la volonté première de refonder un mouvement novateur et surtout la possibilité d'être une véritable alternance crédible pour les Français qui nous attendent. Comment est-ce qu'une formation politique au XXIe siècle doit être gouvernée? Sur quoi elle doit réfléchir et quel projet elle doit mettre en place par rapport aux bouleversements sociologiques, démographiques, politiques, économiques qui sont les nôtres? Refonder l'opposition en créant une formation ouverte, dynamique, dans laquelle le rassemblement ne serait pas un mot mais bien une réalité. Alors les cadres sont ravis unanimement du retour de Nicolas Sarkozy parce que on a beaucoup souffert depuis 2 ans et demi des divisions, des difficultés de notre mouvement et on est heureux de pouvoir tourner cette page. Depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'UMP, on se rend compte qu'il y a une vraie énergie, il y a une vraie envie de pouvoir travailler à nouveau ensemble, de construire les choses, de construire ensemble cette grande famille politique de demain. Aujourd'hui, les jeunes populaires sont mobilisés, dynamiques, enthousiastes, ils ont envie de repartir sur le terrain. Une nouvelle philosophie, une nouvelle vision, un nouveau format de comment faire de la politique. Faire renaître l'envie et l'intérêt de la politique vis-à-vis de nos concitoyens. Voilà. C'est très large.